L'ennemi est toujours invisible. Et il cesse d'être l'ennemi quand il devient visible. Au cours de ma carrière de photojournaliste et de correspondant de guerre, de par la nature de mon métier, j'ai pris l'habitude d'aller d'un côté et d'aller de l'autre, et de naviguer comme ça ces espaces de guerre. Et quand j'allais d'un côté, j'humanisais, il m'humanisait. J'allais de l'autre côté, j'humanisais, ils m'humanisaient. Et c'est normal, j'ai besoin de comprendre comment ils vivent. Et puis eux étaient intéressés de raconter leur histoire. Et puis j'ai réalisé à un moment qu'en fait, cette humanisation que je faisais, que je créais, qu'on rencontrait, elle n'avait pas lieu entre les ennemis. Et c'est bien normal, parce qu'ils sont en guerre. Et pour être en guerre, il faut déshumaniser. Et je me suis rendu compte que peut-être c'était l'histoire la plus importante que je puisse faire, en tout cas la plus urgente. Et j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait la faire le mieux. Et ça m'a semblé très rapidement évident d'en fait mettre les gens dans mes chaussures, entre guillemets, et de rencontrer ces combattants et de découvrir pour eux-mêmes la partie d'humanité qui leur reste. J'ai découvert la VR et finalement c'est devenu évident pour moi que ça pouvait devenir le médium qui permettrait un niveau d'engagement tel que je ne l'avais pas dans la photographie. À savoir que au départ c'était une exposition et une installation photographique où deux ennemis se regardent, mais ils sont en photo. Donc c'est inanimé, et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passerait s'ils sont dans la pièce en face à face. Si on découvre comment ils bougent, comment ils parlent, le body language et tout ça, et qu'on peut naviguer cet espace-là, et qu'en plus, ils nous parlent comme tu me regardes, tu vois, tu te déplaces et t'engages, c'est à toi qu'ils parlent directement. Donc c'est ça dans l'idée de vous mettre dans mes chaussures. Le projet est simple, il est très compliqué à monter, mais simple dans sa compréhension, qui permet très rapidement de mettre des gens dedans en termes de financiers, de soutenir ce genre de choses-là, parce que le message est simple et la compréhension est simple. Après, effectivement, tout le reste, c'est très très compliqué. Alors, c'est du multi-user sans fil. Donc, on met son sac à dos, on met ses écouteurs, on met son casque, et on commence à marcher et on se déplace dans l'espace. C'est une installation. Dedans, nous, on fait attention à comment vous vous déplacez dedans. Par qui vous commencez? Sur deux personnes. Quelle est la distance que vous avez avec un combattant par rapport à l'autre? Quelle est la position dans la pièce que vous avez par rapport à un combattant et par rapport à l'autre? Et voilà, et tous ces éléments-là, quand on les met au fil l'un derrière l'autre, on commence, ça c'est pas moi, c'est la science, c'est avec le MIT, on commence à pouvoir peut-être déceler des stéréotypes, une nervosité que vous avez par rapport à une personne et par rapport à une autre. Et donc le système est là pour que vous l'utilisiez et vous l'expérienciez, mais en même temps, ce système-là, il s'imbibe de votre expérience aussi et va faire évoluer l'expérience selon comment vous réagissez à l'intérieur.